Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un gâteau au cœur de crème chocolat. Donc, un gâteau chocolat au cœur de crème. Donc, voilà, ça c'est le résultat du gâteau, c'est un délice. C'est parti pour la recette. Voilà, alors voici les ingrédients. Vous les avez, de toute façon, c'est très simple. Voilà. Dans la première partie, bien sûr, à faire attention à ne pas se faire brûler avec l'eau. Donc, on va faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. On met de l'eau à moitié dans la casserole et puis on met un saladier qui est approprié. Il faut que ça touche en fait l'eau bouillante, au fur et à mesure que l'eau bout. Ben, le chocolat fond avec le beurre. Dans un saladier, on va casser les œufs, on va ajouter le sucre et on va blanchir le tout. Voilà. C'est une recette très simple, à faire vraiment par tous. Voilà, et puis c'est très rapide. Une fois qu'on a blanchi les blancs. Et enfin, je veux dire le sucré et les jaunes. On va ajouter le chocolat tiède, bien sûr, qu'on a sorti bien avant. Et puis, on va ajouter la farine. On ajoute la farine. Voilà, progressivement, tamisée, bien sûr, de préférence. Et puis, on mélange jusqu'à ce que soit bien, bien mélangé. Voilà. Pour bien sûr, là à cette étape de la recette, on peut chauffer, allumer le four, puisqu'on y est presque. Dans un autre saladier, on va préparer la crème qui va venir au milieu. Casser un œuf, le sucre, et on ajoute le fromage Philadelphia ou la sous-marque. Voilà, c'est nous, on a mis la sous-marque. On va préparer le moule. On a mis le papier sulfurisé. Bien sûr, on a mis du beurre pour pouvoir coller le papier sulfurisé, pour pouvoir le démouler facilement. Voilà. Et on va verser la moitié du chocolat dedans. Voilà, un petit peu plus encore. On va rajouter encore un petit peu plus. Ensuite, on va mettre, je pense que devrait encore rajouter un petit peu, mais bon. On va mettre le chocolat, la crème dedans. Voilà, nuage de crème, hein, bien sûr. Et puis après, on rajoute la deuxième préparation par-dessus. Voilà, et on va enfourner. On va enfourner à 150 degrés, je crois. Je sais plus, 150 degrés. Et on va laisser cuire. Et puis voilà le résultat. Donc, c'est un gâteau pour ceux qui l'ont goûté. Très bon. Franchement, un délice. C'est un gâteau façon brownie, mais fait autrement. Donc, vous voyez l'intérieur, c'est tip top. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwetine Ebladi, partagez, likez. N'oubliez pas de liker, bien sûr, et de laisser un commentaire. Hein.